Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution, Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Mon frère, monsieur, la Bible dit nous dit Chronique chapitre 7, verset 14. Il y a des pour ce bénédicat. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ici, dans français, c'est le mot pays, en anglais, c'est le mot la paix, land. La terre est déjà parce que tu restes, chemin que tu restes, ainsi de suite. Souligner, courage, souligner. Si mon peuple se quitte à invoquer mon nom, nous, notre peuple qui invoque le nom de Dieu, c'est nous, chrétiens, qui nous avons prié pour nos enfants. Si nous, chrétiens, quand nous prions pour nos enfants, prions pour le chemin que nous restons, et que la Bible dit, quand quelqu'un commence à détruire, de se faire mauvais voix, nous pouvons le sentiment mental et l'histoire. La Bible dit à mon Dieu, mais Dieu, sur la prière, qu'on a le mal péché qui peut être pardonné. Et la Bible dit à mon Dieu, vous guérir la terre, guérir le pays, guérir le chemin, guérir l'atmosphère. Si nous, chrétiens, nous connaissons l'autorité qui est là dans le nom de Jésus, nous connaissons qu'il puissance est là dans la distance d'Égypte, ne pas prier, c'est ça qu'il faut prier. Parce que moi, j'ai envie de prier aujourd'hui, mon gars, socialement, nous, parce que dans l'église, mon gars, quand on a calme, socialement, pour envie de la vie, pour envie de quitter la vie, pour socialement, une drôle qualité. Priez pour ce chemin que de rester là. Pourquoi nous pouvons en témoignage souvent quand nous commençons à prier pour bâtir un endroit et dans un développement naturel. Quand les enfants ils viennent développer, sans qu'ils vont réaliser des pilons. Pourquoi vous dire qu'ils vont prier tous les jours pour mon endroit? Non, on ne peut pas prier tous les jours. Mais aussi souvent qu'ils savent dans lesquels vous priez pour mon endroit. Dans le gouvernement, dans le collège, le feeling in refaire. D'ailleurs, mon lacasse qui tient place plus, fait grimper à soi, je rentre carogan, maintenant fait ce qu'il y a depuis une péché, sorcellerie, mon peut dire, de manière croisée qui tient place à carogan, d'ailleurs mon lacasse, à monsieur qui a donné le gouvernement, je vous dis qu'il y a. Mon seulement frère. Quand Pasteur Dupré, tu fais quand dans deux frères, que Pasteur James était là, l'endroit va se développer du tout, du tout. Pas tu as encore même dans l'hôtel. Pasteur Dupré, tu dis, depuis qu'il l'évangile est notre prêcheur, depuis qu'il nous pose une vie là, on a mal noté qu'il faut ouvrir pour faire du monde qui a un travail, c'est un endroit pour bien développer. Aujourd'hui, dans la zone de l'hôtel, il prie que des frères. En Haïti, il prie que des frères. Développement ou l'endroit, protection ou l'endroit, sécurité ou l'endroit, l'atmosphère ou l'endroit, ou une autorité. Un des meilleurs exemples de la Bible, c'est le Genèse, chapitre 1 jusqu'à chapitre 4. C'est un endroit qui appelle Ninive. C'est un endroit, Ninive, là, qui est rempli avec péché. Péché qui est infesté par tout. Genèse chapitre 3 et le verset 8, s'il vous plaît. Au fait, Genèse 1, le verset 1, mais Genèse 1, le verset 1 avant. Je vous trouvez Genèse 1, le verset 1. La Bible dit à moi, bon Dieu, Genèse 1 dans cet endroit-là, regardez le verset 2. Mais sans ce qu'il y a dans cet endroit-là, mais sans ce qu'il y a dans l'endroit. Droguer, violer, pas de madame, pas d'enfants, les enfants rébellés. C'est un endroit qui remplit avec méchanceté. Bon Dieu, Dieu Jonas, à dans cet endroit-là, après sa parole de Dieu. Et là, qui Jonas, chapitre 3, verset 8. Tout le monde dans l'endroit-là commence à prier. L'esprit de prière, il saisit dans le monde. Et t'as l'air pour donner point par point qu'ils avaient au bizarre prier pour l'endroit. C'est un endroit-là, on en tient jusqu'à ce que les rois, jusqu'à tout le monde commence à prier. Le vrai Dieu, il commence à répandre, il va bon Dieu. Et quand maintenant, il commence à prier, l'atmosphère sensée de cet endroit-là. Tellement l'atmosphère sensée de cet endroit-là. Guette Jonas chapitre 4. Qui est un cadre qui versait l'idée. Jonas chapitre 4. Pasteur Raden. Tellement je plonge à l'endroit-là de la prière. Elles affaires qui s'amènent des arrivées. Ils avaient pour arriver ici. Inarrivé dans l'histoire Jonas chapitre 4. Un pied poussé dans moi ce qui est 12 et temps. Pas que les yeux périphériques ici, ça. Un pied poussé
ses pieds. Elle la graisse sortit d'un pied. Dans tout ce temps, il montait, il prit autre que Jonas. Jonas assisé en bas, ça vient l'eau brasse. Yannette, tu me suis? Qui verset était? Verset 6, allez, vas-y. L'Éternel Dieu qui croit un saint, qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce. Elle a beaucoup de révélations dans sa NBC là. Quand l'Église priait dans le nom de Jésus, quand l'enfant de Dieu priait dans le nom de Jésus-Christ pour son endroit, numéro 1, toi-même te pourrais l'endroit sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Toi-même te pourrais la tête fatiguée. Arrête de bailler, frère. Et le maximum, mon frère, mon sœur, souvent ce qui est pensé suicidé, souvent ce qui est dépression, laisse rester là toujours la même âge. Souvent, virer du nez sur la tête est fatigué, je. On les a priés pour l'endroit, on les a priés pour l'atmosphère qui est là autour de la case. Vous pouvez dire que ça fait la bizarrerie dans le nom de Jésus. Mais bon, regardez, son irritation inhalée. Et là, beaucoup de gens m'ont remarqué le travail. Ce qui rend le travail se correct dans ce monde-là. Riez. Hi hi hi, ha ha ha, hi hi hua. C'est pas naturellement riez. Riez le travail, causez le travail, dialoguez le travail, tu corrigez le travail. Mais comment rentrer dans l'endroit-là, comment rentrer la case? Je crois dire de ce monde-là. Comment dire, et travailler là qui se marie. Comment dire, là-bas qui famille, là-bas qui la case, ici le ministre pour dormir, ici deux ou trois. Priez pour l'endroit. Priez pour l'atmosphère dans la case. Vous parlez de vos collègues, priez pour collègues, ça c'est ce qui vous diffère. Hein? Souvent, on dit que les enfants, quand on rentre dans une nouvelle place, on pouvez passer par le sang de Jésus. On prend la table aussi, pour le passer par le sang de Jésus. Parce qu'il est dans le cinquième. Quand on dit que tu es dans le cinquième, dis-moi, tu rentres par la fenêtre dans la classe, qui moi, tu étais. Et tu mets de la bougie, tu fais la sorcellerie dans la classe. Dans l'école primaire, que moi, tu étais. C'est le limon. Mais gloire à Dieu, les petits qui vont apprendre la prière. Moi. Gloire à Dieu, les petits qui vont apprendre à l'école des enfants, puissent prier. Vous puissiez prier pour l'atmosphère, prier pour sa colonisation, vous priez pour sa université là, vous priez pour sa nouveau travail là, vous priez pour sa place qui va là. Ou priez, vos frères, vos sœurs. Parce que c'est l'enseignement qui vous a fait. Vous pouvez prendre l'enseignement là, mettez en pratique. Le deuxième, vous pouvez comprendre la pasteur. Ok. Même de gagner la maison là-bas, frère. Priez pour l'atmosphère là-bas. Priez pour l'atmosphère. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Une transformation extraordinaire. Et tu as des enfants en quotidien, non? Irritation inhalée. Avec une dernière phrase qui disait, je n'en sais pas, grand la joie. La dernière qui a été la joie, grand la joie. C'est Elisabeth qui a été la joie, grand la joie. Ismaël, qui a été la joie, grand la joie. Ça veut dire, on prie pour l'endroit, mais qui sont qui bloquent la joie, vous allez dans le nom de Jésus. Ne va pas prier pour Ninive, prier pour Corinthien, prier pour Gandemas, prier pour Banstan, prier pour quartier militaire, prier pour. Elle peut rester mon serment sans souci, prier pour Petit Paquet. Priez! Priez à votre aider. Même si vous, dans l'État ou d'un petit pays, vous aidez, ou dans la case de Maurice, vous priez pas en l'État ou bien pour Maurice aussi, là, vous aidez. Priez, mon frère, mon sœur. Parce que, mais qui vous a dit de la prière? T'en es-vous de nous? Deuxième partie du message. Remplis vos secours systématiquement quand vous êtes prié pour l'endroit. Je dis gloire à Dieu. La prière est importante. Priez pour l'endroit. Parce que vous avez un drôle son à sort. Priez pour l'endroit là, son là, vous allez dans le nom de Jésus. Je connais Samuel, c'est un grand prophète. D'accord ou pas d'accord? Dans la Bible. Les gens qui ont des petits titres condamnent la voix de Dieu. Nous n'avons beaucoup pas donné les sons avec le prophète Samuel. Est-ce que vous connaissez un débat de leçon qui nous a apprendre avec Samuel, dit un dimanche qui prie pour l'endroit là? Mettez en référence ça. 1 Samuel 12, verset 19. Samuel, tu priais pour l'endroit là. Et celui qui est arrivé dans l'endroit là. Ne que nous causons soit Élie et Élisée. Nous causons l'onction, nous causons un grand miracle qui Élie et Élisée fait, nous causons Élisée fait des fois plus, c'est qu'Élie fait. Papa, il est super. Qui a donné mes outils, 10 heures du matin? Tu fais lever 10 heures du matin, aujourd'hui. Enfin, le Seigneur, est-ce que vous avez réalisé, et il y avait Élisée, tous les deux, c'était des mannequins qui se priaient pour un endroit.
Vous parlez quoi? Pour la vie tombée dans l'endroit là, et lui prier. Amen. Est-ce que vous réalisez où? Et moi, la capacité pour arrêter de la famine dans l'endroit. Pour comment la pauvreté dans nos pays, dans l'endroit, où ce même que vous aider, où ce même s'est développé dans le nom de Jésus. Où ce même s'est retardé dans le nom de Jésus. Vous êtes dans la lumière, parce que pasteur, vous faites réunion à soi, vous êtes dans la case de la lumière. Vous êtes dans le Amen. Vous voyez pas capable de continuer tout garçon, que tout petit, comme il est depuis l'église. Vous voyez, mais sur la tête, depuis une voyelle, depuis une voyelle. Sur la distance, on peut vous dire. Allez, ça, la case même, la vie de Samuel et la vie d'Élie avec Élisée. Beaucoup de places ont prié pour l'endroit là. Mais mon pote, c'est une attention dans quatre dimensions sur la vie. Premier, c'est Abraham. Je connais Abraham, papa de la foi. Abraham, il s'est mis à foi. Abraham, comment appeler? Ami de Dieu. Vous voulez dire? Ami de Dieu? Abraham? Ami de Dieu. Dans les trois chapitres, si vous ne pouvez pas faire, je lis le chapitre 14. Abraham, il donne son offrande, il donne son dîme à Dieu. Ben oui, il veut bien dire. Gloire à Dieu, vous ne pouvez pas faire. Chapitre 14, Abraham, il donne son offrande, il donne son dîme à Dieu. Ça, Abraham, mon Dieu, finissons en ce nom-là. Abraham, qui est venu chez Nina. Abraham. Ça sent soi qui bon Dieu, il fait d'Abraham, là. Dans Genèse chapitre 18, de prier et intercéder pour un endroit. Ce nom est nouveau. Et voilà qu'il dit qu'il a la foi. Où est-ce qu'on est dans la foi? Bon Dieu, sens nous non. Quand Abraham il prie pour cet endroit-là, Genèse chapitre 18, Abraham prie et intercédé pour cet endroit-là. Genèse chapitre 18, vous venez d'arriver? Résultat de la prière, quand vous priez pour un endroit, ange de Dieu qui est en pleine action. Ange de Dieu, tu es en pleine action dans Genèse chapitre 19. Ange de Dieu, vous descendez dans l'endroit là. Ange de Dieu, vous marchez au ciment. Ange de Dieu, vous prenez l'autre. Pas que l'autre. Ange de Dieu, vous dire, reviens de la case. Alors, ange de Dieu, c'est là-bas. Et dernier, comme on a votre violence, on bat l'autre. Votre violence avec l'autre. Ange de Dieu, il prend l'autre, il met en ordre. Ange de Dieu, il débouche de Dieu, il met la case. Résultat à la prière. Quand tu pries pour ton endroit, mais lequel voulait qu'on dans tout l'endroit. On va dire dans la case. Dans tout l'endroit, même pour les apparences. Priez pour l'endroit. Priez pour ce que tu peux rester. Priez pour où avez-vous. Qui avez-vous de rester? Avez-vous tout de même. Priez. Tu t'envoies un rond, tu s'y mets en dormant. Priez, mon frère, monsieur. Ou bien dans le passé, vous venez pour vous. Ou même, comment faire lui? Et qu'Abraham t'y priait. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et bon Dieu, nous une parole prophétique dans le verset 10. La Bible vous dit, bon Dieu, montre-moi comment, ben ange qui prend ce qui ben ange qui prend du monde de la case, c'est-à-dire l'autre. Marie qui t'y déo la case. Marie qui t'y déo la case. Les enfants qui ont déo la case. Prends ce que tu dans la case. Quand vous priez pour l'endroit. Ben Marie qui veut repiter la case, allez, ben Marie qui veut descendre la case, je traite tout le monde dans la case, mon frère aussi. Hein. Ben les enfants qui veulent prendre, oui, ben les enfants qui veulent faire vidéo, ben les gens qui veulent recevoir la fenêtre par la poste, je traite tout le monde dans la case, mon frère aussi. Hein. Pas aux enfants, nous, nos enfants, ils bénis. Mais parce que c'est eux, ces enfants-là. Priez pour que ça fasse, pour nous l'envoie. Nous venons d'un exemple dans la Bible. Merci Seigneur. Joseph. Et la seule question, c'est arrivé dans l'histoire de Genèse. Dans l'histoire de Joseph, dans Genèse, chapitre 45. Vas-y, vas-y, la Bible. Il y a des motifs, Genèse, chapitre 45, le verset 7 à 8. En passant, vas-y, dis-moi qui me quitte la case pour retourner quand vous priez. Ça qui quitte, sa voisin qui est dans l'hôpital là quand tu commences à prier pour ton endroit. Tout le monde dans tout l'endroit qui est l'hôpital, je viens des sorts, je viens, je guéris, je retourne dans la case. Ben, le business qui est fermé, qui te roule bien. Ce business est ouvert. Dans tout l'endroit. Vous continuez? Vas-y, me suis. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il va établir père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte.
Donc, vous souvenez des trois choses qui sont que nous avons dit pour qu'on pense. Numéro 1, c'est bon Dieu qui nous a réveillé dans cet endroit-là. C'est bon Dieu qui nous a réveillé dans cet endroit-là. Dans ce quartier-là, dans ce travail-là, c'est bon Dieu qui nous a réveillé là-bas. Dans ce semaine-là, dans ce collège, dans cette école-là, c'est bon Dieu qui nous a réveillé là-bas. C'est Dieu, soeur, c'est Dieu qui nous tient dans ton endroit, la volée de la condamnation que vous voyez ici. C'est Dieu qui nous a réveillé toi. Et bon Dieu nous a réveillé toi devant ce habitant de ton endroit-là. Bon Dieu nous a réveillé toi devant pour toi te faire par là continuer, subsister, rester, veiller, restaurer. Et toi, tu peux faire la vie pour une grande délivrance. Toi, la prière est capable de délivrer sa femme Timona de ma atrocité, de ma puissance mauvaise qui me dérange en face là. Toi, la prière est capable de briser. T'as l'air de vous dire ça, brise ma puissance sorcière qui est dans l'endroit. Brise ma mauvaise prière, ma activité diabolique qui est dans l'endroit. T'as l'air de vous dire ça en détail là. Mais toi, tu es capable d'avoir une délivrance à ma Timona de cet endroit là. Je te rappelle Esaïe 60 qui l'a vu dire. Qui l'a vu dire Esaïe 60? L'Esprit du Seigneur Dieu qui est en moi, parce que bon Dieu qui m'envoie moi pendant son bain de vol à ma peau pour délivrer ma captive, pour proclamer ma délivrance. Ou, moi, du monde qui est capable d'amener la délivrance avant du monde de mon endroit. Peut-être que je dis amen, amen, amen. Toujours dans sa verset 8. C'est pas. Frère Hervé, c'est pas aucune décision pour venir dans cet endroit-là. Nous vais expliquer comment nous devons prier pour nous l'endroit. Dieu, il a envoyé toi ici, de tous les lames à haut. Nous disons bon Dieu, là-bas, ici. Dans cette église-là, c'est bon Dieu qui n'a pas eu là dans le nom de Jésus. Bon Dieu qui n'a pas eu le nom. Quand vous êtes sorti, vous êtes paille. Quand vous êtes fini, vous venez bien avec vous là. Tu ne vois pas qu'à dire qu'il choisit sa place là, sa verset là. Qui te comprend pas sa verset là? Dieu qui n'a pas eu toi là-bas. Nous disons Dieu qui n'a pas eu moi là-bas. Et qui dit encore, bon Dieu, mets-toi là-bas comme un parrain de condamnation. Donc, vous pouvez dire qu'il y a quand même ça. Bon Dieu, établis-moi papa de mon avance, maître de mon avance, gouverneur de mon avance. Je ne dis jamais, je dis jamais qu'on est à Russie. Tu es un papa de cet endroit-là. C'est ça qui est sans souci. Tu es un papa de sans souci. Que petit paquet. Tu es un papa de petit paquet, toi. Tu es un papa de mille morts. Tu es un papa. Pour montrer cette jolie verset, ou bien ma pasteur, ou bien repenser qui pour mon Dieu, dire Joseph, pour faire ça vient pour moi, pasteur, ça qu'il peut refaire, allez, allez. Ouvrez la Bible de Deutéronome, chapitre 11. Il est plus clair là-bas. Deutéronome, le chapitre 11, le verset 22. Qui nous a fait à l'église? Prier pour nous, l'endroit. Allez, regardez. Le verset 22. Te souligner au fur et à mesure qu'il m'a expliqué. Le verset 22. Si tu obéis à ce que bon Dieu dit, et bien là-haut, combien envie, combien pour obéir à bon Dieu, Dieu aujourd'hui nous a prié pour nous l'endroit. Combien d'accord pour nous prier pour nous l'endroit? Amen. Je veux dire, pourquoi cette mari, elle a une drôle d'attitude? Pourquoi cette madame, elle a une drôle d'attitude? Où est votre sens, il est où? Est-ce que vous voyez pourquoi c'est une puissance dans l'atmosphère qui peut influencer tout ma madame pour faire comme ça, tout ma mari pour faire comme ça? Ou peut-être votre cause, ou peut-être capable de faire, ou peut-être régler ça avec ton avis, avec, parlez-moi, l'arrêt de passeport, ou peut-être l'arrêt de caïman, ou peut-être ses oreilles, son lisier, son goût. Vous avez un secret? Dans la prière, ça vous le réussit, ça. Jésus, si j'ai un jour, ça qu'a dit là. Termine par ça l'église? Sa qualité là, sa qualité là, il va paresse, sa qualité là, il va prendre un travail, sa qualité là, ça l'endroit là, tout ça va nous aider sans faire un travail, allez pas la prière. Si tu obéis, on dit sur ma décision, vous priez pour ton endroit, regarde le verset 23, l'éternel vous chasse devant toi, mais qui sont ceux qui visent à chasser, l'éternel qui vous fait après, vous rentrez maître. Qui nous dit la situation de Joseph? Mais parce que tiens, quand bon Dieu dit que Joseph est papa pharaon, maître là-bas, est-ce qu'il nous capable de dire ça si c'est pour Joseph ça? Ou bien quand nous lisons sa verset là, est-ce qu'il nous trouve? Bon Dieu a mis nous aussi vite maître. C'est tout moi, moi qui principe de la montagne blanche. Parce que Max, oh, parce que Max, on apprend ça. Principauté veut dire indiquer dans le monde spirituel qui régnait.
pas peur des mondes. Amen. Pas peur des mondes. Je te dis gloire à Dieu. Bon Dieu, vous faites un plus grand et plus puissant. Qui va dire qu'il y a ça? L'endroit là qui peut dominer, fait dominer. Le verset 24. Partout où tu poses ton pied, est-ce que tu poses ton pied dans un endroit, mais tu vas voler, tu vas aller t'aller là. Ou bien c'est un tapis volant, comme à la main, tu vas pas poser ton pied, parce que c'est un tapis volant. Ou bien il y a un souillon dans ton pied là. Ou bien c'est tout où tu marches, tu poses ton pied dans l'endroit là. Tu vois l'église? Pose ton pied. Mais qu'est-ce qu'il dit? Quand tu poses ton pied, ça passe à l'église pour toi. Ton frontière pour expandre, pour étendue, ainsi de suite. Le verset 25. Tu vas aller verset 25, continue. Comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tous les pays. Personne n'est pas capable de résister toi dans la prière quand tu pries pour ton endroit. Mais ça, toi qui dégoûté, qui te fais dans la classe, qui l'a pu me dire, personne n'est pas capable de résister toi dans cet endroit, les cieux là. Je te dis amen, amen. Vous avez plus joli à cette terre? Allez, le verset 29. Toi, tu peux prononcer bénédiction et toi, tu peux prononcer malédiction. Bénédiction, il fait cause de bonnes choses qui t'ont envie d'arriver. T'as l'air pour vous de le prier, de dire prononce bénédiction dans nos endroits. Et quand il dit toi, tu peux prononcer malédiction, il peut vous dire tu peux maudit, pas quelque chose qui n'a pas correct, qui n'a pas fait une puissance démoniaque, qui faisait une maladie qui peut rentrer ensemble, qui va démontrer que tu vas divorcer, qui va décider la guerre, virer une lettre de la police, qui va essayer de l'endroit. L'endroit. Ça va puissance mauvaise, qui va maudit de toi, le nom de Jésus, mais tu es bien. Maudit, il dit bon, comment la vie sortit là-dedans, il n'est plus capable de fonctionner, paralysé. Je te dis amen, amen. Amen, amen. Mon bien dire là, je trouve ça verset là. Regardez où tu dis, verset 29. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays. Quand mon Dieu vous fait rentrer dans l'endroit là, quand tu rentres dans l'endroit là, ça vient. Quand tu rentres dans le pays là, quand tu rentres dans l'endroit là, dans la maison là, quand tu rentres dans mon serment là, quand tu rentres dans l'énergie ici là, quand tu rentres dans l'avenue d'où de elle, qui dit, que tu as fait? Tu prononceras la bénédiction. Te prononcer. Comment te prononcer? Dans la prière. Regarde le verset 31 qui dit dire. Quand tu finis de traverser ce Jourdain, quand tu finis de prendre possession le pays, ou le terrain, ou bien place, ou bien endroit, quand tu peux dire, l'éternel de mon Dieu, vous donne toi sa prière pour te posséder, de m'habiter. C'est nous qui faisons les hommes de l'endroit, des démons qui faisons sortir aller. Et non pas moi qui quitte mon endroit parce qu'il y a un démon là-bas. Et non pas moi qui quitte mon la case, moi qui quitte mon. Bon Dieu, mais il manque la case, vous allez dans la case là. Le deuxième, vous pouvez comprendre la pasteur. Nous, qu'est-ce que c'est Moïse? Demandez-vous l'attention. Est-ce que ça peut arriver dans ce sang Moïse? Moi, pas quoi, il y a un autre homme de Dieu à part Moïse qui ne sent sa quantité de l'adresse là. Fartez qu'il y a un congolo, lui. Moïse, il est sorti dans les yeux. Depuis qu'il est sorti dans les yeux, il arrive à payer pour lui. Vous voyez qui conseille Royal Road, lui, sans eux. Vous connaissez qui quand c'est Abénu l'insensé? Vous connaissez qui quand c'est l'endroit l'insensé? Parce que quand je t'y prends, je l'attends, je t'y prends sur mes affaires. Je n'arrive à une place, je reste, je mets, je l'attends, je reste pendant une semaine là-bas là. Après, je fais là. Je ramasse tout, je récrase tout, je délai tout, je pense, pense, je t'allais dans l'endroit. Je te mets, je l'attends, je reste là. Et même si vous avez prendre note de ça. Exode chapitre 13, verset 21. Il arrive un moment quand tu es dans la mer devant eux, tu es dans la situation devant eux. Moïse priait, priait pour l'endroit que tu étais. Bon Dieu avait un ange et une nuée. Nuée avec un nuage. À son, il y a des mecs différents qui donnent la lumière. La journée, il donne l'endroit, soit on a pas un soleil. Quand tu priais pour l'endroit, tu es capable d'expecter, tu es capable d'attendre l'endroit là pour éclairer la lumière, bon Dieu. Vous avez un soleil, amen. Il arrive un autre endroit, il arrive une autre avenue. Il arrive dans notre place, Exode chapitre 15, verset 22, pas qu'à boire de l'eau là-bas. Combien de besoin de connaître pour faire arriver dans ma problème de l'eau? Pas qu'à assez de l'eau. Et le baril des hivers. Et le baril des hivers. Et le baril des hivers. De l'eau, mais quand tu peux sortir des problèmes de l'eau à bout, priez, mon frère, mon sœur. Priez. Ça va prendre du temps, mais ça arrive. Moïse il vient parce que de l'eau à mer avec à boire, mais qu'un endroit, l'endroit là il y a un problème, l'endroit là il y a un problème, l'endroit là on appelle Marat. L'endroit là il vient dans ce problème, il absorbe sa problème, il vit même une vie Marat à l'endroit là. Moïse il fait là-bas, il prier. Même si il reste comme diable. Bon Dieu capable de faire ça, mais comme saint. Tu veux rire. S'il reste malheureux.
Par la prière, il y a béni, il y a malheureux, il y a bienheureux. Un jour, si vous un jour, quand vous êtes ministre, quand vous êtes président, un jour, de toute République de l'île Maurice, un des moments de travail que vous pouvez faire, vous pouvez voir la liste d'un endroit qui, comment dire, et ceux qui ont envie d'arriver là-bas de ça, comment dire, quand vous êtes un petit peu envie, moi, j'ai envie d'arriver là-bas. Vous vous sentez tous à un endroit dans ce nom. Le Dieu dans ce nom, pas de bon nom, pas de nom béni, le Dieu jamais. Maintenant, il y a un autre endroit, dans Exode chapitre 16, maintenant, il y a un autre endroit, peine à manger là-bas. Peine à problème manger là-bas, problème manger. Moïse priait, il intercédait, il priait. La main sortit dans les cieux, lui. Maintenant, il y a la main pour manger. Il y a un autre endroit encore, quand on a qui se fait manger. Exode chapitre 17. On assiste à la guerre là-bas. Amalek déjà la guerre. Amalek déjà dispute, querelle, la chair manifestée. C'est à l'endroit là, si Zodji, M. A, il finit la guerre avec son madame, l'endemain, M. B pour la guerre avec son madame. Après demain, M. C pour la guerre avec son madame. Il y a la guerre, la guerre. C'est normal, quand ici, vous criez, tu commences à faire la prière, non. On a fait la guerre. Vous n'avez pas fait la guerre. Tu commences à faire la télévision, non, pas la télévision, ça filme live, je vais faire. C'est dans la guerre, viré, tourné dans Exode chapitre 17. Moïse, priez, bon Dieu. Je viens victoire à Amalek. Je suis dans la clé, ouvert la porte pour victoire pour finir comme un tsunami, comme une rivière, hors de cet endroit que je te dis là. Et tu dis amen, amen. Je continue ma soirée, je suis arrivé à une place que dans Exode chapitre 19, un autre endroit. Cet endroit là, c'est montagne Sinaï, pas montagne blanche. Montagne Sinaï. Dans montagne Sinaï, bon Dieu, cause en Moïse. Quand vous priez pour l'endroit, bon Dieu, vous commencez à causer du monde dans l'endroit. Automatiquement, l'église pour remplir. Quand Dieu n'a pas fait péché, bon Dieu, pour qu'aujourd'hui, quand il finit à ta sur la côte, pour lui mettre bon Dieu, pour dire que ça la côte, c'est terrible, pour belle brille. Bon Dieu, pour comment se poser, quand Dieu dans une équerre, pour arriver dans le péché, arriver dans l'idolâtrie, arriver vivre dans l'immoralité, arriver prier, dans sa paix, pas pour garder pour nous autres. Je continue à se lancer, je n'arrive dans l'ombre, chapitre 11. Peine à manger là-bas, peine à la viande. Bon Dieu, un divan soufflé, un joli divan soufflé. Un joli divan soufflé, amen, la viande, amen. Caille. Vous êtes. Je continue à passer, ça arrive dans le nombre, chapitre 12. Dans cet endroit-là, c'est la rébellion. Manzélès, par contre, on soumet. Par contre, on soumet. Tout Manzélès, quoi, je mets ma rue. Avec U, ma rue. Dans sa histoire de l'obédience de Myriam, rébellée contre Moïse sur l'autorité. Elle est mal en droit, elle a mal en chemin, comme ça. Elle a mal en chemin. Madame qui marie. Michel qui l'a dit, je mets là tout le monde comme ça là-bas. Un autre langage créole, c'est. Mais Michel ramasse au taquet. Il y a différents langages créoles dans la série. Mon frère, aussi, d'un endroit comme ça, vous voyez que Moïse fait. Moïse, vous priez, Moïse, vous mettez ça devant bon Dieu. Attitude tout sensée là. Myriam, sur l'attitude tout sensée là. Myriam, vous reconnaissez ce héréa. Sur l'attitude sensée. Le tout jamais, amen, amen. Nous continuons. Je vous trouvais dans le nom chapitre 20, je t'arrive à la place que Pénal est là encore. Bon, Dieu fait de nous sortir depuis la rousse. Miracle arrivé. Cette adresse qu'ils ont changé jusqu'à ce que je t'arrive dans la terre promise. Je te prie pour ça, dans la bonté, fait des grandes choses. Qui va pas prier pour l'endroit? Ben, l'attitude pour changer. Ben, basic needs pour gagner. Du coup, non, pas besoin de coquin pour lui gagner un boucher manger. Bon, Dieu a béni sur ma basic needs. Il gagne sur ma affaire de base, il est capable de vivre. Je te dis amen, amen. Pour nous, nous avons vraiment beaucoup de choses. David, du coup, David, c'est un roi qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que Moïse est l'homme selon le cœur de Dieu. Priez pour ton endroit. Vous connaissez David qui priait pour son endroit? Vous pouvez sur la Bible. 2 Samuel, s'il vous plaît. 2 Samuel, chapitre 24, verset 25. Dans la Bible, BBE, Basic Bible English. BBE est dans la Bible CEV, Contemporary English Version. Il dit David, les tu prier, les tu faire la prière, les tu rendre un hôtel, les tu prier pour ce pays, pour la terre, pour ce terrain, pour ce place côté, les tu prier et bon Dieu, tu enlèves ça fléau qui peut tirer la vie du monde là. Quand du monde, tu fais mot. Voilà un exemple, un seul exemple, un piquet qui tient dans l'onction royale. Est-ce que vous pouvez nous parler les rois avec bon Dieu? Bon Dieu, mais sur l'onction pour nous régner, mais quand nous régner, qui nous fait? Le papa de lui qui nous gagne la tête d'envoi, le service de lui là. Priez pour l'endroit. Sa maladie, sa gravité, sa morphine, chikungunya, sa virus, sa COVID qui peut vous déranger là. J'en ai dans le nom de Jésus. J'en ai dans le nom de Jésus.
trop l'arrière qui fait vous allez dans le nom de Jésus-Christ. Je dis amen, amen. Pasteur, on met de trop beaucoup l'exemple dans l'Ancien Testament. Demain, on met l'exemple dans le Nouveau Testament, parce que moi, on met dans la Nouvelle Alliance. Allez, Raï, toi qui es dans la Nouvelle Alliance, on met un bel exemple dans le Nouveau Testament. Mais rappelle-toi, Ancien Testament is a shadow of things to come. La Bible dit dans l'Ancien Testament, c'est une leçon pour quelque chose qui vous venir après ça. Bon, Dieu prépare nous pour ça. Matthieu. Matthieu chapitre 5. Vous voyez, avant que Jésus-Christ traverse la mer, d'abord chapitre 5, avant que Jésus-Christ traverse la mer pour voir dans Génézareth, et c'est la première fois qu'ils ont trouvé le mot Génézareth d'être mentionné. Première fois quand Jésus voit dans Génézareth, il dit passer la nuit dans la prière, il dit prier. Elle ne passe encore, je vous trouvais quand Jésus-Christ définit nourrir la foule, qui dit à un disciple, prends le bateau, allez. Quand un disciple prend le bateau, allez, qu'est-ce que Jésus t'y fait à lui? Prier. Qui veut prier? Pour un endroit ou pas parce que le palais est un nouveau endroit, encore vous trouvez qui est allé. Allez étudier la Bible, vous trouvez. Ça que Jésus rend un nouveau endroit, il disait, on est un endroit-là. Il prie avant de voir qu'il soit dans l'atmosphère. Il y a Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu 5. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. La terre, c'est. Je sais que le sel, il vous plaît, premièrement, pour ajouter. Flavor. Comment dire flavor? Saveur, assaisonné. Au café de Zoli, disait mon frère Moses, si vous avez un petit peu de sel, alors il n'est pas trop correct. Au café de Zoli, Brian, Gobriani, mon frère Moses, si vous avez un petit peu de sel, alors il dit aïe aïe aïe. Un alim pénal de sel. Nous avons un alim pénal de sel. Mon frère Moses, la Bible dit nous. Et Jésus fait des salariés en rouge. Jésus fait des salariés en rouge. Nous sommes le sel de la terre. Remplacez-moi la terre avec vous l'endroit. Vous êtes le sel de vous. Ce sont des sels de la vie d'Urel. La vie d'Urel. De sa NHC, de sa non-serment, de sa place. C'est nous qui disons, moi qui disais le camp des masses. Amen. Alors, numéro 1, moi la prière capable d'amener un goût. Moi la prière capable d'assaisonner mon endroit. Moi la prière capable d'empêcher mon vide fou. De cet endroit-là. Moi la prière capable d'assaisonner cet endroit-là. Un deuxième petite chose qui disait le frère, il empêche la mort, il empêche la corruption. Quand tu prends un poisson qui te fait que la peste, tu te couplies en deux, la matière pour la matière, pas en deux comme ça, comme la tête est claquée, non. Depuis la tête jusqu'à la tête, tu te fais en deux. Tu remplis le diesel, tu remplis le diesel, tu gordes. L'amour va venir. Il va pour sentir pire, il va pour diquer. Diquer, quoi c'est diquer? Pourri! Est-ce que vous connaissez quand vous priez pour l'endroit, un levain pourrifié dans l'endroit que vous allez dans le nom de Jésus? Qui a fait qu'il pourrisse l'endroit-là, la drogue? Qui a fait qu'il pourrisse l'endroit-là, la dureté? Qui a fait qu'il pourrisse l'endroit-là sur l'atmosphère? Ah, l'endroit là, nous avons tiré à marcher pour m'habiller dans l'endroit-là, à ce qu'il y a, trop beaucoup de voyeurs, trop beaucoup qui viennent de travers. Maintenant, tu vois, il y a un drôle de mental qui est bizarre, quand même, madame, ce qui travaille, il ça ne pourrit pas, papa, allez, là, qui a fait, là? La prière, vous. C'est le sel de la terre. Je te dis amen, amen. Qui dit après? Toujours dans Matthieu chapitre 5. Mais si le sel perd sa faveur, avec quoi la lui rendons? Papa a dit de saveur. Tu dis sel toi. N'a pas mis du sable. Tu les gars, hein? Tu dis sel toi. N'a pas mis du sable. Tu dis sel toi. Tu restes du sel. Prochain verset, la Bible dit boum. Vous êtes la lumière du monde. Et quand vous cahier, moi la lumière, moi l'endroit, moi. You are the light de cet endroit que tu es là. C'est nous qui la lumière. Jésus-Christ qui dans toi est la lumière. Et qui tient de sa veste là. La lumière, il repousse l'ordre. N'importe qui puissance sorcellerie qui noire. N'importe qui puissance diabolique. N'importe qui puissance méchanceté qui noire. Qui est de cet endroit-là. Quand tu la lumière, bon Dieu, quand tu pries, tu la lumière briller. Quand tu pries pour ton endroit, ça la lumière dans toi, il repousse ça à l'ordre là. L'ordre des années dans le nom de Jésus. Priez pour ton endroit, pour faire aussi. C'est qui plus joli. De sa veste là, il dit Dieu. Oh, et si, on est heal. Il est déjà connecté. Mon cas est un village. I may stay in a village, but I am a city in the village. Mon cas est un NHDC. La Bible dit I am a city in NHDC. Mon cas est un Mont-Saint-Jean. I am a city in Mont-Saint-Jean. Mon cas est à la côte. I am a city in the coastal region. Moi qui me dis ça, non, bien la Bible dit ça. Dans son avis français, il va dire ça. Voilà. Verset 14. Vous soumettez de tous les hommes.
Vous êtes une ville située sur une montagne qui personne ne va pas casser. Mon frère aussi, n'a pas laissé paresse casser tout. N'a pas laissé danser casser tout. N'a pas laissé ignorance. Pas qui connaît si capable de prier, qu'elle va prier pour l'endroit. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville. Et là, vous êtes tout déjà la ville, moi. Vous êtes la ville, moi. Ça m'a un problème d'ordre parce qu'il est la ville, toi. Tu as la ville, toi, bien organisée, tu as la ville, toi, bien développée, tu as la ville, toi. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Qui dit encore au motifie? Let your light shine, le verset 15. Est-ce qu'il nous prend la langue pour mettre en bas un broc, un gamel? Est-ce qu'il nous prend la lumière pour mettre en bas Lily? Non, nous mettons en bas ce qui lui prend toute la casa. Vite ça qui est un peu qu'il y a tout ça dans le voilà. Je dis amen, amen. Verset 16. Quitte la lumière et brille devant ma divine pour qu'il va à tout devant bonnes œuvres et se glorifie mon Dieu. Quand vous avec moi nous priez, quand je lance si prier, tu dis vous t'adore mon Dieu, tu glorifies mon Dieu. Quand vous priez pour mon endroit, divin vous trouve un bon pisos, hein? Quand il fait des bonnes œuvres ici, la prière est une bonne affaire ça. Quand vous priez, c'est une bonne œuvre. Quand vous priez, c'est une bonne œuvre. Quand vous priez, les yeux du monde ouverts. Quand vous priez, Dieu vous donne la gloire mon Dieu. Vienne un homme, vienne une femme, vienne un enfant, vienne un jeune, vienne un leader de prière. De Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous regardons notre exemple, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 43. I am a city. I am a city. Alléluia. Actes des Apôtres, verset 43, nous racontons cette histoire-là. Un jour, Pierre, il y a un endroit. Dans l'endroit-là, il y a un qui s'appelle Simon, Pierre, le corroyeur. Et un qui gagne ça, ce travail, c'est les corroyeurs. Alors, quand Pierre est dans un endroit là-bas, là, il n'y a pas de savoir qu'il fait. Les monde là-haut, le dalle, ils commencent à prier, ils commencent à prier, ils commencent à prier. Et c'est quand ils veulent prier de cet endroit qu'il aimait rester là. Allô? Quand ils priaient de ce nouveau endroit qu'il aimait rester là. Bon, Dieu donne une vision. Dans sa vision-là, il trouve un démon. Il trouve un animal qui est béni. Bon, Dieu a dit, coupe tous ces animaux-là, mangez. Taille, mangez. Quand vous priez, quand il y a une victoire devant le démon qui retrouvait un devant l'endroit. Beaucoup comme besoin de vous prendre avion, de vous partir, prier, puis ça, on va vous aller là dans le nom de Jésus. Beaucoup comme besoin de vous monter, vous mettre devant la place, devant un nouveau bureau, devant un nouveau département, devant un nouveau place. Permettez qu'il le dans l'hôpital, dans la poste, c'est toi. Te prier, te prouver ça pour le sang de Jésus. Tu veux dire amen, amen. Et nous tous nous connaissons l'endemain, c'est un bâtiment qui cherche pire. Et qu'on a un grand revival, qu'on a un grand réveil pour arriver de ce qui va arriver. Bon. T'as l'âme de Jésus t'y prier. Matthieu chapitre 14, verset 23, je trouve ça. Jésus t'y prier. Bon, pour moi, ça 10 minutes qui est dans là, ou bien ça 5 minutes qui est resté là. Bon, tu as voulu montrer ça maintenant, comment nous prier pour nous l'endroit. Si vous parlez trop vite, vous ne pouvez pas réussir à écrire, il n'y a pas de problème. Vous pourrez gagner 100 ans, après vous mettre pause, après vous écrire. Ni moi, non. Parce qu'il dit, bon, Jésus, bisous prier, voilà ma jolie chose qui arrivait quand je priais. Mais comment vous priez? Si tu pries, comment respecte-toi là? Et n'est-ce pas, il n'est pas pensé pour te prier pour l'endroit là. Et n'est-ce pas, 60 minutes, il n'est pas pensé pour te prendre tout ce qui m'a coûté à toi là pour prier pour l'endroit là. Amen. Beaucoup de monde pas content de prier, pas prier parce qu'ils ont envie de prier, pas intéressant. Je ne sais pas connaître comment ils aiment prier. Je disais, bon Dieu, bénis-moi, bénis-moi, madame, bénis-moi, monsieur, bénis-moi, toi aussi, bénis-moi, vos animaux, bénis-moi, moi, et que moi, amen. C'est pas ça la prière. Ok. Numéro 1. Quand nous commençons à prier pour nous l'endroit, nous pouvons aller voir le sang de Jésus. Quand nous commençons à prier pour nous l'endroit, ou bien les autres qui l'ont envie de prier, nous pouvons aller voir les affaires. Le sang de Jésus. Vous dites Seigneur Jésus? Non. Quand vous priez, ou la case, pas c'était là, vous répétez là. La case, quand vous priez. Vous dites Seigneur, c'est qui moi vous faire? Seigneur, vous pouvez mon endroit, vous pouvez convaincre. Au fait, vous ne pouvez pas dire mon endroit, mais vous mettez ce nom là-bas. Vous mettez ce nom. Vous priez, vous pouvez prendre des mains. Par le sang de Jésus. Mon couvercle de la case va prendre les mains par le sang de Jésus. Famille mondiale, voilà. N'est-ce pas suivre structure de la prière? Vous pouvez prendre beaucoup de items, sujet de prière alors. Seigneur, mon couvercle de mon endroit, mon les mains par le sang de Jésus. Mon couvercle de la case va prendre les mains par le sang de Jésus-Christ. Mon couvercle de famille va prendre les mains par le sang de Jésus. Mon couvert, tous mes jeunes enfants, tous mes enfants, tous mes vieux du monde, dans les mains par le sang de Jésus-Christ. Mon couvert, tous mes chemins par le sang de Jésus.
Depuis quand les masses ont commencé, là-haut, là, jusqu'à quand les masses ont fini que pavé, ou bien que flac, que fuel, ce length, ce breadth, ce height, ce surface area, m'ont couvert mon endroit par le sang de Jésus. M'ont couvert l'atmosphère par le sang de Jésus. Tout le mariage qui est dans sa. Mon foyer qui est dans mon endroit, m'ont couvert ce par le sang de Jésus. Tout le business qui est dans mon endroit, m'ont couvert ce par le sang de Jésus. Tout le habitant qui est dans mon masse, m'ont couvert ce par le sang de Jésus. Tu te sens les précieux, tu te sens les lavés, tu te sens les seigneurs, tu te sens les pures, tu te sens les pures. C'est qui te sens aider de faire mon endroit fini. Je te dis amen, amen. Amen. C'est qui te sens capable de faire, les faire dans mon endroit. C'est qui te sens capable de les enlever, tirer, malin, mauvais. Tu te sens faire ça dans mon endroit. C'est pas du sang des animaux qui a fait ça, c'est pas du sang dans la croisée de mon endroit qui a fait ça, c'est pas mon propre sang qui a fait ça. C'est du sang Jésus-Christ qui est éternel. Je te dis amen, amen. Amen. Quand je finis par un moment, je couvre ce endroit par le précieux sang de Jésus. Maintenant, je couvre l'atmosphère, l'environnement. Seigneur, je couvre l'atmosphère par le sang de Jésus. Et quand je couvre l'atmosphère, je viens droit dire Seigneur, je commande l'atmosphère, les ai libérés. Je commande la joie, la paix de l'atmosphère. Au nom de Jésus-Christ. La deuxième affaire que je commence à faire, je commence à me demander pardon. Pour tout le péché qui m'a dit que dans mon endroit de faire. Je dis à mon Dieu, pardonne le monde dans les masses, dans les habitants dans les masses, pardonne Dieu, dans tout péché, dans qu'ils ont vivre, dans toute désobéissance, dans toute idolâtrie, dans toute sorcellerie, dans toute malpropreté, dans toute violence, dans qu'ils ont vivre, dans les rébellions qui m'ont jeté dans les autres parents, tout le monde qui peut rébeller dans cet endroit-là, je demande à pardonne Dieu, Seigneur. Tout le monde qui tient dans cet endroit-là, tout le meurtre, tout le coquette, tout le kidnapping qui tient dans cet endroit-là, je demande ta pardon, Seigneur. Pardonne-moi, dis-moi, quand tu causes aux autres, je disais, pour aller bousser, je ferme, je décaisse, je vais aller écouter. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, dis-moi, d'accord, des masses, tout le monde tient dans l'injustice. Tout le monde, Seigneur, que je n'ai pas fait un droit qui visait avant l'orphelin, avant l'veuve. Pardonne-nous, Seigneur, tout le monde. Nous ne commettons pas de péché par plaisir, puisqu'il est bon, il est joli pour faire le péché. Pardonnez tout le monde, c'est un petit monde bébé dans la drogue, bien fêté, sans endroit. Je t'en même là. Pendant qu'il m'a demandé bon Dieu, pardon. Et moi, je vais te faire. Je vais te donner aussi un template. Au fur et à mesure que vous priez la case, bon Dieu me fait voler la bouche. Quand vous commencez à demander bon Dieu, pardon, pour ça, vous pouvez, bon Dieu me met en cours dans le cœur. Bon Dieu me met en cours dans le cœur. Et là, je commence à me demander pardon pour tout le chrétien qui est dans mon endroit. Je me demande pardon pour tout le chrétien dans mon endroit là que je paresse. Au lieu d'utiliser les mêmes prières, je dormis. Au lieu de représenter toi, Seigneur Jésus, je peux vivre dans le péché, je suis pareil, je honte de l'évangile. Pardonne tout le chrétien dans cet endroit là, Seigneur. Que tout le monde honte toi pour m'utiliser. Je me demande pardon, Seigneur. Le 26 avril. Qui n'a pas la soeur Bichouani, premier qui vous a fait? Oui, premier qui vous a fait. Dans la prière, qui nous a fait, qui nous fait premier? Plaît le sang de Jésus. Couvert tout par le sang de Jésus. Deuxième qui nous fait? Oui, sans Jésus, nous finis. Après, il y a qui nous fait? Demande bon Dieu pardon. Forgiveness of sins. Demande bon Dieu pardon. Ok? Troisième qui me fait, là, je commence à prendre l'autorité de la prière. Là, je commence à prendre l'autorité de ma mauvaise chose. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi, casse tout un démon qui fait un démon aveuglé. Aveuglé, tellement ce qu'on t'accasse, je suis aveuglé. Tellement ce qu'on idolâtre, je suis aveuglé. Aveuglé pour un péché, pour une tentation, pour une chose que je n'ai pas, pour une tradition mauvaise, une coutume mauvaise, n'est pas bon. Je prends l'autorité de ma puissance qui rend un démon aveuglé. Mon lien, mon chasse, de ma fausse raisonnement qui gouverne ma démon. Après ça, fausse raisonnement. Ou présente une solution, ou montre aux autres, bon Dieu, mais si tu as soulevé dans un problème, aux autres raisonnements, disent non. Si nous pas malade, comment nous pouvons? Un fausse raisonnement, ça. Pour l'autorité de ma fausse raisonnement qui se dénale de se penser. Et là, nous commençons à prendre l'autorité de ma démon maladie qui redérange ma démon dans cet endroit-là. Qui fait un démon qui est cancer, qui fait un démon qui est COVID-19, un démon qui fait un démon qui a la fièvre, la fièvre, la grippe, une mauvaise maladie qui peut déranger, un démon de cet endroit-là, fait une madame qui veut avant l'air, c'est la vie d'un homme,
Ben drôle, ben démon qui sanctifie enceinte avant l'air, vit dans l'impureté sexuelle pérée. Vous commencez à prendre l'autorité de ce même démon là. Ben les accidents qui reviennent, ben drôle accident dans l'endroit. Vous prenez l'autorité de même accident qui reviennent dans l'endroit de ma cimette, de ma croisée. Vous commencez à prendre l'autorité de même démon, de même cartel. Un démon qui persiste en groupe pour faire la drogue, pour faire ma drogue qui se sécrit dans l'endroit. Vous commencez à prendre l'autorité de même. La ruine. Un démon qui a un business, il est obligé de fermer. Tu as une autre affaire là-bas, tu es bon, tu viens avec nous. Un boulanger, un business fermé. Un autre affaire, un business fermé. L'esprit de la ruine, comme un tête d'assise dans l'endroit là, copie l'endroit là. Ou mettre ça déo dans le nom de Jésus-Christ. Ou prendre l'autorité de ma puissance diabolique qui peut invoquer. Tout mon service des mots qui peut faire. Ma puissance qui peut invoquer pour mon soin devant la croisée, devant le cimetière. Et ma corps, et ma sandale, ma démon, ma poulpe qui peut touiller, ma micou qui peut couper, ma dissonance qui peut verser. Ma malpropreté qui peut invoquer ma puissance, ma apôtre qui peut ouvrir ma démon occulte, ma démon astral. Pour l'autorité de l'enfer, ça m'a apporté parce qu'il a mis ceux qui m'ont tassé de la tête, entassé dans le ciel. Pour l'autorité, commence à prier. Ma démon qui contrôle l'atmosphère, ma l'esprit mauvais qui roule assis à mes enfants, besoin de désobéir. Fais-le. Pour commencer à prendre l'autorité, voilà. Non, il n'y a pas besoin pour en verser la Bible. Par exemple, vous dire, la Bible dit à mon branche, le toute la puissance de l'ennemi. Non, il n'y a pas qu'à déranger en aucune façon. La Bible dit à mon foule au pied, ma lion, sauve un dragon. Non, il n'y a pas qu'à déranger. La Bible dit dans le nom de Jésus-Christ, tout Jésus-Christ est carrossé. La Bible dit, Jérémie chapitre 1, bon Dieu, établis-moi comme une colonne. C'est vous, Jérémie chapitre 1, bon Dieu, établis-moi comme une colonne dans cet endroit-là. Ben prince, ben prince, vous dites qu'à refaire-moi la guerre, mais je ne sais pas pourquoi avec moi. La Bible dit ça. Ah. La Bible dit ça, confesse la parole de Dieu. C'est lui l'autorité. La Bible dit à tout, j'ai lui mis un cabossé devant le nom de Jésus. Ça dit vous traiter là sur la Bible, c'est un sensé. L'Ian dit que le traitement avec Jésus-Christ, il vient sur la vie transformée. J'ai lu chapitre 1. Quel est le verset? Montre-moi le verset. Voilà, le verset 17. Débute-toi. Lève-toi, tu es ce qui m'ont dit à toi, tu es l'atmosphère, tu es ce qui vous a dit dans l'atmosphère, dans l'endroit. Le sapin-là, mon établis-toi dans sa pays-là, dans son endroit, dans sa NHDC-là, dans son enseignement-là, comme un navire faux. Le fait qu'il était là, Jésus, tu es un navire. Mon fait comme un navire faux. Bien sûr, il y a un jeune mauvais dire. Et mon fait une colonne ferraille, comme un qui saute. Si on fait la guerre, mais on va pas avec toi, le verset. Pour prendre l'autorité, pour prendre l'autorité, nous sommes là. Sans qu'ils vous réalisent. Il ne faut pas que vous puissiez prier, ça tourne la tête qui dérange ou dérange ou là. Il ne faut pas que vous puissiez prier, il y a un homme de la tête aller. Quand tu commences à prendre l'autorité, tu vas faire. Il y a un démon qui peut revenir, il y a une migraine, sinusite, il y a une drôle maladie, il peut être retourné à l'hôpital là. Pour lui-même, il ne peut pas arrêter ça. Il y a une drôle de la guerre de la case de foyer là. Pour lui-même, il ne peut pas faire de son prière. Je ne peux jamais amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Brise mon influence qui m'a dit que je ne merci Jésus. Prends l'autorité de quelque chose qui attire nous. Ma film, le péché, pornographie, l'internet qui attire nos jeunes, brise ça, l'influence ça dans le nom de Jésus. Donc il devait prier là, il devait prier pour nous l'endroit là. Mais deux enfants par exemple de l'endroit, mais quand tu devais prier comme ça pour ton endroit, automatiquement sans te réaliser, tu devais prier pour deux enfants, tu devais prier pour ton neveu, tu devais prier pour ton nièce, tu devais prier pour tout le monde en même temps là, sans plus réaliser. Quand le fini prend un moment, il prend l'autorité de sa manne qui est nous déracine, manne piquant, comment nous dire. Maintenant, il commence à prendre une bonne semence. Ça, on appelle ça la prière release. Ou l'ordre de bonne semence de l'atmosphère. Que tu apprends, Seigneur Richard, que tu apprends dans Deutéronome chapitre 11, verset 29. Bon Dieu, fais-moi un maudit, après bon Dieu, fais-moi béni. Ça veut dire que ce qui n'est pas correct, mon maudit, mon péché, asir. Et ce qui est bizarre, mon bizarre, alors oui, mon bizarre, béni. À ce moment, on bénit pour l'endroit. Le deuxième, on bénit pour l'endroit. Moi, je vous dis, je bénis quand les masses, vous pouvez tout l'envoi là-bas. 1, 2, 3. Je bénis quand les masses dans le nom de Jésus. Vous pouvez répéter ça avec vous? 1, 2, 3. Je bénis quand les masses dans le nom de Jésus-Christ. Et là, vous commencez à dire, je délie la paix. Délie les dieux, l'orgueil. Je commande la paix de Dieu pour passer dans l'atmosphère. Et dans la joie de cet endroit-là. Et dans le salut de cet endroit-là. Je vous mets le sol des cœurs en Jésus. Je vous de Dieu pour agir. Je vous de Dieu pour protéger. Je vous de cet endroit-là. En passant, si un démon est sorti, flaque, pour y aller au travail, Rosil, s'il faisait passe pas encore des masses, s'il quitte ses enfants, son madame, la case, s'il faisait un travail, vous pouvez vous dire. Il n'est pas pour venir encore des masses pour le niveau. Mon endroit est béni. Amen.
Il passe, ça y allait bien. Amen. Si la pluie va tomber, quand il passe ici, mais si la pluie va tomber, il mouillé, il y allait. Bénédiction, bon Dieu, quand on est sur la vie. Si tu sais, dans la bonté, pas de causerie. Ici, bon Dieu, pour causerie. Comment avoir l'image commencé, bon Dieu, commence causerie. Il répondit, il est capable d'arrêter sur le dos, il met le filet, il met donne sur les cœurs Jésus. Non, il n'y a pas possible de la bonté. Et là, ma pasteur, si tu fais comme ça, tu vas raconter, il va dans l'endroit, il prêchait. Ben, dis-moi que tu peux boire d'abord. Je pense à venir là, vous mettez la main bloquée comme ça même. Le Saint-Esprit de Dieu convainc de ce péché. Je quitte la boisson. Saint-Esprit de Dieu dit à Dieu, comme ça, il y a une réunion. Saint-Esprit de Dieu dirige les pieds. À mesure de la réunion, je donne ce dégât à Jésus. Mais non, il n'y a pas possible, il va monter. Allez, quitte Matthieu. Matthieu 21, verset 22, il y a des pierres bien faux. L'homme délie le ministère d'un ange, délie l'esprit de pureté là où l'on voit, délie la propreté, cleanliness, purity, délie l'esprit de repentance. Mon déclaré, ben du monde dans mon endroit, peut repentir. Ben famille peut convertir en famille, je vais donner le cœur à Jésus, je la vie peut sensé. Je disais, peut ouvrir à qui s'en a le vrai Dieu, et je vais adorer le vrai Dieu seul. Vas-y, Matthieu chapitre 21, verset 22. Tu sais que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tiens-moi la main. Tout ce qui devait demander la prière de vous gagner, les papes disent si tu as besoin des dents, tu as besoin d'un parfum, tu as besoin de studier, tu as besoin de convention. Oui. Mais tout ce qui devait demander pour te l'endroit, la prière, votre quoi, de vous gagner. Dans mon endroit, dans le nom de Jésus, le temps où tu as besoin d'être boulangé. Gloire à Dieu, mais être boulangé quand tu m'as servi. Pas derrière la case, des années, mon serment rangé. Tu me dis content, devant mon la case, il y a un grand supermarché, il y a une pâtisserie là, il y a un manger là, il y a un grand supermarché, comment dire, mini bagatelle. Tu fais mini. Moi, mon Dieu, ma mini, un grand bagatelle devant mon la porte. Et là, comme ça, maman, passe par la salle, nous sommes l'église, pas gagné cuit, pas gagné, pas gagné, tant cuit, nous n'est pas senti comment, nous cuit, nous gagnons manger, nous manger. Et un place devant mon manger, devant mon la porte. Mais tu pries, moi, pour qu'il m'en dise, vous voyez quoi faire, deux coups de moi. Bon Dieu, fais un moment, vous avez quoi faire, dès la case après là. On va faire longtemps, vous avez mis longtemps, et déjà, on attend, jusqu'à ce que Michel a pour me servir, 30 minutes, 15 minutes, parfois, avant de retourner à casa. À ce moment-là, mon gars, venez là, on va te parler, on va venir à ça, 15 minutes, 2 minutes. Dispositif dans la. Mon pas attend! Parce que, moi, j'ai un souci là, parfois, il y a une la forêt. Moi, je vous contente, comment dire, mon gars. Et qui gagne le sujet de l'homme, j'ai pas besoin de transport. Parce que le pasteur, aujourd'hui, ça fait 45 000, il prend 10 pour épiler. Moi, je vais 25 pour aller 25 pour épiler, parce que vous voulez voir, 50 pour finir le transport. Et bon, j'ai qu'à faire. Mais quand tu pries pour tout l'endroit, quand tu as rosé, tu as tout fait bien. Prier pour l'endroit. Parce que vous voulez sortir là, on loin là-bas, pour travailler, vous voulez pasteur, prier pour tout l'endroit. Non, il n'est pas possible de voir bon Dieu. Bon Dieu qui a ouvert l'hôpital dans Montagne Blanche, tu rends travail là-dedans. Bon Dieu qui a ouvert l'université, bon Dieu qui a fait sa mort, c'est pour ma visite. Vous avez un petit bout pour sa sécurité, nettoyer, travail, ceux qui disent bon Dieu qui a mis tout le monde là-dedans. Ce bureau de travail, le gouvernement, ce bureau de travail, vous êtes tous écrits là. Priez pour ce endroit. Priez pour ce endroit. Priez pour ce endroit. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et bien sûr, je délie ma petite chose dans l'endroit là, on termine avec ça. Et bien sûr, je prophétise dans l'endroit là. Seigneur, vous prophétisez. Prophétiser veut dire exactement ce qui te l'est arrivé. Me déclarer qu'on a un développement, qu'on a une facilité. Partout, on a une road infrastructure. Mon chemin est agrandi. Seigneur, tout le monde dans mon endroit, on a une basic needs. On a de l'eau en abondance, on a la lumière en abondance. On a plus beaucoup de chrétiens dans l'endroit là. L'évangile va être prêché librement dans cet endroit là. On a plus beaucoup de cellules dans cet endroit là. Et non, Seigneur Jésus, ma pasteur est élevé dans cet endroit-là. Dis-le dans mon endroit, il y a 4 pasteurs. Moi, pasteur Romé, pasteur Sulis, et quel autre pasteur qui a semblé de Dieu, petit en bas là-bas. Depuis longtemps, on le confesse, moi. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu pour l'élever dans cet endroit-là. Qu'il ne faut pas confesser ça où? Qu'il ne faut pas confesser ça où? Bon, confesser, alléluia. Ayez pasteur, ça va me dire, là, vous priez, moi, vous demandez assez pour me dire, moi, pour me dire ça, parce que je fais assez équipement dans mon endroit. Non. Matthieu chapitre 5, verset 44, la Bible dit prier, bénis ceux qui maudit toi. Amen. Ceux qui me font du mal dans ta localité, dans ton pasteur de rester, dans ton endroit, bénis-toi, la Bible dit. Amen. Mets-nous debout dans la place. Si chacun parmi nous commence à prier pour nous l'endroit individuellement, si chacun parmi nous commence à prier, si l'église en entier commence à prier pour nous l'endroit, nous commence à prier pour nos nations, nous commence à prier pour nos pays, si nous commence à prier pour nos districts,
Nous ne pouvons pas nous arriver. Nous ne pouvons pas faire un prayer meeting national. Nous ne pouvons pas terrain, nous ne pouvons pas faire un football, nous ne pouvons pas un stade. Nous besoin. Personne ne va vous prêcher. Tout pour vous prier là. Nous pouvons avoir un national prayer revival. Un petit différent quand même, un petit animé capable d'un différent grand la forêt. Ou, moi, je vais vous dire, vous avez une satisfaction là. N'a pas dit à moi tout seul pour prier qui va arriver. Non! Priez quand même tout seul. Parce que mon mari va prier, lui. Toi, prier. Tu peux sortir la classe, tu vas travailler 45 minutes et il y a dedans. Tous les jours, mettez un sujet de prière. Aujourd'hui, tous les lundis, mon prier existe pour mon emploi. Semaine prochaine, je vais vous montrer comment vous allez prier pour vos conjoints. Allez, nous. Je dis jamais, amen. Mon femme aussi, hein. Quand on va arroser, on peut arroser. Femme, je dis, Seigneur, aujourd'hui, mon apprendre l'importance de prier pour mon endroit. En tant qu'un chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu, je l'ai fait pareil pour ma jeunesse, tu fais dans les livres, sans cet endroit-là, mais mon père Tan, ben ange, ministère, ben ange dans mon endroit. Femme, nous attendons demain. Quand vous attendez encore réunion finie, là c'était la même chose. Ils en apprennent, non? Allez, nous prenons deux minutes, couvrons encore le sang de Jésus, les mêmes bontés pour l'homme un péché, commande mal quelque chose, mauvais aller, et prononce mal bon quelque chose. Alléluia. Seigneur, dans le nom de Jésus, vous pouvez accorder masse. Mais ce nom, maintenant, voilà ce nom dans la prière. Seigneur, vous pouvez accorder masse par le sang de Jésus. Mais donne la gloire, l'honneur pour mon endroit, c'est une grâce qui veut faire pour mon reste à cet endroit-là. Depuis quand les masses commençaient, Seigneur, jusqu'à Bélican, jusqu'à qu'il a fini quand les masses parlaient, ou bien Fuel, beaucoup bien ce lait, ce huile, ce bread, ce high, beaucoup bien tout cet endroit-là par le sang de Jésus. Mais ne m'entends pas un autre moment que dans du monde dans mon endroit. Je continue à persister de ma erreur dans le péché. Pas de tout le moment, je vis dans l'impureté, Seigneur. En ce moment, dans ma conscience, en ce moment, dans ma dîme, je vais sortir des yeux de ce endroit, mais bien sûr, dans les masses. Mais ne priez que je vais vivre, je n'ai plus à tous les débours, je m'en porte. Sanctifier, je purifie, je Seigneur. Maintenant, Seigneur, moi, cache que mon esprit mauvais qui vit, pour faire des choses, pour créer maladie, pour créer ma mauvaise quelque chose dans cet endroit-là. Et vous déclarez maintenant, tout le monde, quand j'ai la coupe, vous allez disparaître, allez au nom de Jésus. Vous délivrez ici ma ange, dans mon endroit, dans ma joie, je me dépendis. Beaucoup ma joie, mais de ce à Jésus. Beaucoup ma joie, mais ma joie, finalement avec le Seigneur. Vous déclarez mon avance et béni dans le nom de Jésus. Depuis que mon avance commence, c'est ce mon avance finit. Plus ma joie, qui reste avant tout, et mon avance. Beaucoup ma joie, pour le sang de Jésus. Ma habitant, ma case, ma famille, ma enfants, ma business, ma église. Beaucoup ma joie, pour le sang de Jésus. Et ce qu'on veut dire, ma bonne nous avons essayé de l'aide de péché de l'endroit. Nous l'envoyons par mort marier. Le salut de l'endroit au nom de Jésus. Bâtiment béni de ce décal à Jésus. Ça l'église allait nous remplir beaucoup du monde dans mon âge même. La gloire de Jésus-Christ, nous pouvons prier parce que notre abbé, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur.